Quand Shane était au lycée, il habitait dans un quartier où se trouvait une maison abandonnée. À chaque fois qu'il passait à côté, il entendait le son de l'électricité crépiter depuis la vieille bâtisse. Bien que ses parents lui aient dit que personne n'avait vécu là depuis des années, le son de l'électricité revenait régulièrement. Shane a commencé à s'inquiéter qu'il y a un risque d'incendie, si la maison était réellement alimentée en électricité. Donc un jour, il a décidé d'aller voir ce qui s'y passait avec son ami Tim. Après les cours, ils sont allés directement là-bas. Mais une fois devant la porte, ils ont hésité à entrer. Shane a demandé à Tim s'il avait peur, mais il lui a répondu qu'il ne tremblait pas de peur, mais plutôt d'excitation. La vieille porte s'est ouverte avec un grincement sinistre, et les deux amis sont enfin entrés. À l'intérieur de la maison, ils ont été pris à la gorge par une odeur très forte, au point de devoir se boucher le nez. Et bizarrement, le sol était couvert de punaises à moitié rouillées. Ils ont donc fait de leur mieux pour les éviter en avançant. Après quelques minutes à l'intérieur, ils ont entendu un bruit étrange, comme une sorte de cri, venant de l'étage. Ils auraient dû quitter la maison à ce moment précis, mais ils n'ont pas pu résister à leur curiosité, et ont commencé à lentement grimper les marches. D'une des chambres au premier étage, ils ont entendu le fameux crépitement d'électricité. Puis, une voix d'homme s'est élevée de cette même pièce, disant « Ne le mange pas, mange-le !» Ils étaient surpris, et se sont prudemment approchés de la pièce. Lorsqu'ils ont jeté un coup d'œil à l'intérieur, Tim a hurlé d'horreur. En entrant dans la chambre, ils ont vu trois personnes assises par terre, avec des colliers de chiens autour du cou. Un homme était en train de les dresser à l'aide d'un pistolet paralysant. En voyant les deux amis, tout le monde s'est tu pendant un moment. Puis les trois au sol ont commencé à les supplier de les aider. L'homme qui les dressait a paniqué et a commencé à les frapper, leur disant de se taire. Mais ils ont crié si fort qu'on aurait dit que leur gorge allait exploser. Shane était sous le choc, des exclamations lui échappant alors qu'il regardait leurs yeux remplis de larmes. À ce moment-là, l'homme les frappant a sorti son taser et a chargé les deux amis avec. Shane et Tim se sont aussitôt enfuis, mais malheureusement, Tim n'a pas été assez rapide et s'est fait rattraper, ses cris résonnant dans le couloir avec le crépitement du taser. Shane a réussi à sortir de la maison et appeler la police, puis il est retourné à l'intérieur. Il s'est dirigé vers la chambre en silence et a vu que l'homme était en train de mettre un collier autour du cou de Tim. Shane a couru vers lui, hors de lui, et l'a frappé de toutes ses forces. L'homme est tombé au sol, lâchant le taser dans sa chute. Shane s'est précipité pour le ramasser et l'a menacé avec, toujours en le frappant. Après un moment, la police est arrivée et l'a arrêté. Lorsque les policiers ont essayé de libérer les victimes du criminel, ils ont été choqués. Leurs mains et leurs pieds avaient été collés au sol par un adhésif puissant. Et Shane a réalisé à ce moment-là que Tim avait aussi subi le même sort. Il l'a regardé éclater en sanglots et a senti ses jambes le lâcher. Finalement, les secours sont arrivés. Ils ont réussi à détacher toutes les victimes, y compris Tim. Les trois personnes avaient été battues et n'avaient été nourries qu'avec de la nourriture pour chiens depuis des semaines. Ils étaient dans un état critique. Lorsque la police a demandé à l'homme pourquoi il avait fait une telle chose, il a simplement répondu qu'il voulait avoir des êtres humains comme animaux de compagnie. Il a été condamné à une longue peine de prison. Tim a pu guérir complètement de ses blessures avec un traitement adapté, mais le traumatisme ne le quittera probablement jamais. Ils n'ont plus jamais reparlé de cet incident depuis ce fameux jour. C'est la fin de cette histoire, mais Shane tient à transmettre un avertissement. Si vous avez envie d'explorer une maison abandonnée, renoncez pour votre bien et n'y allez jamais, car personne ne peut garantir votre sécurité. Cette histoire est arrivée à Lenny quand il avait 13 ans, et elle l'a traumatisé. Ce jour-là, après les cours, Lenny et ses quatre amis ont décidé de jouer à Ding Dong Ditch, un jeu où ils sonnaient aux maisons, puis s'enfuyaient. Ils ont tout planifié, puis sont sortis vers 18h, pour réfléchir à quelle maison viser. Il y avait une maison dans leur quartier qui paraissait sinistre, et Lenny avait entendu des rumeurs à son sujet, disant qu'un homme fou y habitait. En garçons stupides qu'ils étaient, ils ont décidé d'aller vérifier si la rumeur était vraie. Puisqu'il était le plus rapide du groupe, Lenny devait y aller en premier. Il a sonné trois fois puis s'est enfui, se cachant derrière un buisson où un de ses amis se cachait également. Ils ont sursauté lorsque la porte s'est ouverte à la volée et qu'un homme qui avait l'air fou est sorti sur le seuil. Lenny a réalisé que cet homme n'était vraiment pas normal. Il était enragé, criant « Je vais vous tuer !» avant de claquer violemment la porte. Les adolescents étaient un peu effrayés, mais ils ont décidé de renouveler la mauvaise blague.
ils ont décidé qui serait le prochain à sonner. Et Lenny lui a dit de marcher lentement d'abord, puis courir vers eux quand il aurait fini. C'est donc ce qu'il a fait. Quelques secondes plus tard, l'homme a ouvert la porte. Et ce qu'il tenait les a terrorisés. C'était un couteau et une bête de baseball en métal. Un de ses amis a crié « Courez !» et l'homme les a repérés. Il s'est lancé à leur poursuite à une vitesse terrifiante. Le groupe s'est caché derrière la maison d'un voisin. Ils sont restés là jusqu'à ce que l'homme soit parti. Oh, du moins, c'est ce qu'ils pensaient. C'est ce qui s'est passé ensuite qui les a réellement traumatisés. L'homme était toujours là, et cette fois, il avait réussi à attraper l'un d'eux. Ils ont hurlé d'horreur et ont couru chez eux. L'esprit de Lenny tourbillonnait. Est-ce que son ami allait s'en sortir? Il a appelé ses autres amis, leur demandant s'ils étaient bien rentrés, et ils ont répondu oui. Ils lui ont demandé s'ils savaient où était Ed, l'ami que l'homme avait attrapé. Il leur a dit que non, et ils n'ont rien dit de plus, toujours sous le choc. Lenny aurait aimé que l'histoire s'arrête là, mais ce n'était pas fini. Cette nuit-là, en allant se coucher, il pensait à tout ce qui s'était passé. Il y avait une grosse tempête dehors, et alors qu'il était allongé, il a soudainement aperçu une silhouette, illuminée à chaque nouvel éclair. Il s'est retourné pour mieux regarder. C'était l'homme fou. Il était là, le regardant fixement avec un sourire sinistre. Et à ce jour, il n'a raconté à personne cet incident. Ed a été porté disparu depuis ce jour-là, et il n'a actuellement toujours pas été retrouvé.